François-Xavier Poncet, vous êtes commissaire-priseur pour le compte de la maison de vente aux enchères Rossigny à Paris, et vous êtes venu ce matin, cette journée du moins, à Nanteuil-les-Maux. Oui. Donc comment se passe une journée comme ça où les gens viennent vous présenter des objets? Bah écoutez, très bien, on a la chance en plus d'avoir du soleil, c'est une journée agréable, et surtout riche en rendez-vous et en découvertes, donc c'est une journée qui commence bien, on a au total une trentaine de rendez-vous, et on nous a présenté pour le moment des objets aussi divers que variés, allant de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Donc c'est une journée enrichissante et intéressante. Oui. Voilà. Et vous avez en main donc une pendule très particulière. Oui, effectivement, c'est une petite pendulette de voyage donc de la marque Geiger Lecoultre, qui est un excellent horloger. Voilà, et pour cet objet dont la personne ne souhaitait pas le garder, il était au fond d'un tiroir depuis quelques années, on l'a estimé entre 300 et 500 euros et on le présentera donc dans une vente aux enchères à 300 euros dans le courant du mois d'octobre. D'accord. Et pour la personne, c'était une bonne surprise ou une déception? Elle attachait une valeur sentimentale supérieure à cet objet? Non, elle n'attachait pas de valeur sentimentale particulière et 300 euros, c'est une estimation qui lui convenait tout à fait. Elle était même surprise et contente du prix de départ. Oui. D'accord. Et donc vous venez souvent au Seine-et-Marne de faire des estimations comme ça? Assez souvent. C'est la troisième fois qu'on vient à Meaux, au golf de Montboutigny. Nanteuil-les-Maux, c'est la première fois aujourd'hui. Et écoutez. Et prochainement, vous avez quelque chose de prévu? Alors déjà Nanteuil-les-Maux, je pense qu'on reprogrammera l'édition d'aujourd'hui. On la reprogrammera dans 6 ou 8 mois. On nous a fait un très bon accueil et on a rencontré des gens bien sympathiques et surtout qui ont apprécié notre venue et notre démarche. Donc on reviendra, c'est un succès. Et puis bien sûr, on va dans toute la France, Bretagne, Savoie, sud de la France, la région de Lille. On intervient absolument partout, donc avec grand plaisir, on se déplace pour découvrir des objets. Oui. Très bien, je vous dis à une prochaine fois pour lors d'une venue en Seine-et-Marne. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.